coucou. Bon, ben voilà, me voilà revenue de course. J'ai été faire un petit tour chez Aldi et Leclerc. Donc, ben là, je me suis installée autrement. Je me suis mis dans ma cuisine, là, pour vous montrer, parce que sinon, de ramener les paquets et tout ça. Bon, par contre, je ne vais pas vous donner les prix parce que j'ai pas. Je vous ai dit bonjour, non? Je sais pas. Bonjour. Non, parce que j'ai commencé ma vidéo, j'ai eu un coup de fil, j'ai fermé. Enfin bon. Donc, bah, je vous redis bonjour, bonjour à toutes. On est donc jeudi 20 mai et j'étais en train de vous dire que j'avais été chez Aldi et Leclerc, mais que je ne vais pas vous donner les prix parce que je n'ai pas marqué tous les prix sur mes. Puis chercher sur le papier, ça va être trop long. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous dire si ça vous plaît pas, comme l'autre jour, il y en avait une qui ça plaisait pas, et ben vous passez. Voilà, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de regarder mes retours de course, mais vous êtes nombreuses à me dire si, si, on aime bien, alors vas-y. Bon, alors j'y vais, je vous montre ce que j'achète. Alors, pour commencer, j'ai acheté ça, des glaces que je vais aller mettre. Pas tout de suite après, je vais mettre ça au congélateur. Donc, c'est des glaces Côte d'Or, glace vanille, chocolat et noisette. Il y en a quatre. C'est pour l'arrivée de Coco. Je vais vous parler de Coco presque tout le long du retour de course. Je me suis pris du lait parce que, bon, ça, du lait, j'en ai toujours besoin. Je vais les mettre par terre parce que sinon, ça va me gêner. J'ai pris des boudoirs comme ça pour faire un gâteau avec Coco ou pour Coco. Voilà. J'ai pris des yaourts à Charles et Alice. Voilà, ils sont bons ceux-là. C'est des pommes pêches. Il y en a 6. Voilà. Ça, c'est chez Leclerc. Hein. J'en ai pris aussi un Mirabelle, pommes et Mirabelle de Lorraine. Je pense que ça, elle va aimer. Mirabelle, elle aime bien. Donc, voilà. Je me suis pris des petits toasts pour mon déjeuner le matin. Les glaces, je vais les mettre par là et j'irai les mettre. Vous savez ce que je vais faire? Je vais les mettre dans mon frigo et j'irai les mettre au congélateur après. Voilà. Voilà. Je suis plus tranquille parce que j'ai peur que ça dégèle quand même. Voilà. Je me réinstalle. Bon, j'ai pris des pommes de terre, bon, pour le faire en vapeur, sauter, en salade. Voilà. C'est un paquet de 2 kilos, je crois. Je sais même pas. Oui, je crois que c'est 2 kilos. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, on n'en mange pas beaucoup toutes les deux. Bon, je me suis pris de la lessive parce que c'était en promotion. Je sais plus combien c'est. Mais j'ai pas le ticket avec moi. Donc, voilà. Je me suis pris de la lessive. Il y en a 26 doses parce que ça, j'en ai plus beaucoup non plus. Voilà. Ça, c'est Leclerc. Je me suis pris des petites rillettes poulet rôti. Bordeaux Chenel. Hein, attention, c'est voilà, poulet rôti. Elles sont bonnes celles-là, je pense. Voilà. Donc je me mets là parce que c'est quand même plus facile pour vous montrer. J'ai une plus grande table. Je me suis pris des petits bulots. J'en ai pas pris. Enfin, des petits bulots qui sont quand même bien gros, mais ils ont l'air d'être bien. 1,68 ça. Et il y en a 188 grammes. Bon, ça va me faire. Voilà, des bulots. Ah oui, j'ai pas trouvé le thé que Corinne m'avait dit. Donc j'ai pris du thé au noir caramel. Ça peut le faire avec du lait, ça passe. J'ai pris un pot de crème fraîche au cas où j'en ai besoin. Je sais pas si j'en aurais besoin, je sais pas. J'ai pris des petits moelles fleurie bichon. C'est des surimi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup dans cette paille. Il y en a 14 bâtonnets. Voilà. Je me suis pris pour manger à midi des œufs en gelée. C'est 1,90 les deux. Voilà. Vous allez me dire que je pourrais les faire, mais c'est tellement mieux quand c'est tout fait. Voilà. Je me suis pris aussi de la piémontaise au jambon. Ça change un peu de ce que je prends. J'essaye de changer. Bon. À Leclerc, forcément, j'ai pris mon pâté persillé, hein, véritable jambon persillé de Bourgogne, porc et persil, origine France, salaison dijonnaise. Voilà, ça j'adore, ça je mangerais tout si je m'écoutais.
J'ai pris un petit jus d'orange pour le matin, pour Coco. Enfin, pour moi aussi, forcément. Je sais que dans une recette, il me faut du lait concentré sucré. Je ne sais plus dans laquelle recette que c'est, mais je l'ai pris. J'ai pris du lait concentré sucré. Au cas où j'aurais besoin, j'ai pris un arôme goût vanille. Voilà. J'ai pris du sucre glace parce que je sais que j'en ai besoin aussi dans des recettes, enfin dans des gâteaux, parce que je pense qu'on va faire pas mal. Je pense que ça va être semaine gâteau. Voilà. J'ai pris aussi du sucre roux parce que ça, c'est pareil, j'en ai vu dans mes recettes. Je ne me rappelle plus dans quelle recette que. Je ne sais plus. Hein. Alors, pour moi, là, en ce moment, je me suis pris des nems aux crevettes, comme à chaque fois que je vais à Leclerc, c'est rare si j'en achète pas. Et ça, il y en a 4, sauce New York Mam. Voilà. J'ai pris des petits lardons fumés parce que Coco m'a demandé une ratatouille pour mardi quand elle va arriver. Donc, je vais lui faire sa ratatouille. Enfin, et pour moi aussi, forcément. Je me suis pris du jambon serrano espagnol, 10 tranches super fines. Ça, j'aime bien grignoter ça. Voilà. Alors, ça, je vais mettre ça au congélateur parce que il y en a quand même pas mal. C'est des petits filets mignons. Enfin, des petits filets mignons qui en a 1 kg 178. C'est 9,95 le kilo. Donc, j'ai payé ça 11,72. C'était dans les offres spéciales au début du magasin. Donc, ça, je sais que Corinne et si des fois Camille venait en fin de semaine, et ben elles aiment ça toutes les deux. Donc voilà. J'ai repris parce que j'avais goûté à ça l'autre jour. Je vous avais montré du riz cantonné. C'est 2 minutes au micro-ondes, mais je trouve ça super bon. Et je crois que c'est même pas 1 €, je crois que c'est 90 centimes, si je me rappelle. Voilà, donc j'en ai repris. J'ai dit pour nous deux, ça va le faire. J'ai pris du mascarpone parce que j'en ai encore un paquet de 250 grammes dans mon frigo, mais j'en ai racheté un paquet de 500 grammes parce que ça, il m'en faut pour faire des gâteaux. Toujours à Leclerc, j'ai pris des amandes effilées qui peuvent me servir pour mes gâteaux. Vous allez dire, mais tu vas faire que des gâteaux. Je me suis pris, je vais en faire une ratatouille, mais pour moi, je me suis pris une petite boîte comme ça de ratatouille casse-grains. Ça me suffit, ça, pour moi toute seule, en attendant, parce qu'elle arrive que mardi. Et là, on est jeudi, je vous ai dit. Hein. J'ai pris aussi, il faut bien qu'on se fasse plaisir, j'ai pris du chocolat lait noisette, parce que ça, je sais qu'elle aime. J'en ai pris aussi du chocolat, je crois que c'est du noir celui-là. Je ne sais plus. Oui, noir intense. Voilà, côte d'or. Voilà, j'ai pris ça. Ça, c'est le clair. Ça, j'ai pris un paquet de bonbons, mais ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour nous. C'est pour mes petits voisins parce que le papa est venu me tondre la pelouse. Donc, j'en ai d'autres. J'en ai acheté d'autres chez Aldi. Je vais vous montrer. Là, j'aurais pris des petits crocodiles. J'ai pris aussi chez Leclerc pour terminer, je crois. J'ai pris. L'Ice Tea saveur pêche. Voilà, ça j'ai pris ça. Tout ça c'était Leclerc. Ensuite, alors je vais mettre ça là. C'est lourd. Bon, je vais essayer de sortir. Je m'excuse, hein, je vais sortir ça. Ben, voilà, j'ai dit, je l'aurais pris aussi à mes petits voisins. J'aurais pris des petites fraises Tagada. Et je leur ai pris un petit paquet d'Haribo, voilà, pour remercier le papa de m'avoir tendu. C'est le papa qui tombe et c'est les enfants qui vont avoir. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai pris chez Aldi, sur ma table, vous bougez, hein, vous êtes en train de bouger. Alors, chez Aldi, j'ai pris un paquet de... Oh merde, je crois... Ah bah si, c'est ça. C'est de la farine que je voulais prendre ou du sucre? Bon, tant pis. J'ai pris du sucre en poudre au cas où j'en ai besoin. Voilà. Alors, ça n'attendra pas Coco. Je vais les manger avant. C'est des fraises que j'ai pris chez Aldi. Des fraises.
Bon, je vous donne aucun prix, hein, j'ai pas les tickets alors. Donc j'ai pris une aubergine pour mettre dans ma ratatouille. J'ai pris des tomates. J'ai pris des courgettes, mais je les ai pas là. Alors pour le matin, j'ai pris de la confiture aux 4 fruits rouges. Voilà. J'ai pris des petits filets de bacon au cas où on ferait des petits œufs sur le plat. On ne sait pas, on va voir. On va se soigner toutes les deux. Hein. Alors j'ai pris une petite bombe de chantilly. Alors je voulais trouver la chantifix de Vainé. Et ben, chez l'Aldi, il n'y en a pas. Et chez Leclerc, j'ai pas trouvé. Chantifix, j'ai vu ça sur une recette, comme ça je regardais. Et la fille, elle mettait de la poudre chantifix de Vainé avec du lait et ça faisait de la chantilly. Mais j'ai pas trouvé. Donc ben, j'ai pris une bombe de crème carrément. Une bombe de crème chantilly. J'ai pris du beurre demi-sel et du beurre doux, parce que des fois il me faut du beurre doux pour mes recettes. Et j'ai pris du demi-sel parce que ça, le demi-sel, c'est mon beurre préféré. Mais j'en mets de moins en moins dans mes... J'en mange de moins en moins. J'ai pris des petites chipolatas pur porc pour faire dans ma ratatouille. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris deux petits pavés de truite. C'est pas des pavés de saumon, c'est des pavés de truite. Voilà. Tout ça, ça va être pour quand Coco est là. Alors, elle m'avait demandé si tu trouves un rib. Tu le prends, on fera. Donc, alors, je ne sais pas si vous aimez ça, mais nous, on aime ça, faire au barbecue. Un rib. Mais si le temps s'y prête pas, ben, je le ferai au four. Voilà, ça se présente comme ça. Bon, c'est beaucoup d'os à sucer, hein, mais on aime ça. Il y a un petit peu de viande dessus, mais on adore ça toutes les deux. Donc, pourquoi s'en priver, comme je vous dis à chaque fois. Bon, j'ai pris des poivrons pour ma ratatouille. Des courgettes pour ma ratatouille. Alors, ce sac-là, il est terminé. J'ai encore un sac et c'est terminé. Alors, on va y aller comme ça. J'ai pris une plaque de 20 œufs parce qu'on va en avoir besoin toutes les deux pour... Attendez, je vais pousser ça par là parce que ça commence à... Après, je vais tout ranger. Tout ça, ça a été vu. Oui. Alors, j'ai pris un paquet de 10 croissants.